HFI pour la signature d'un accord politique. L'introduction de partis politiques autres que ceux qui ont lutté sur la place du 13 mai dans le gouvernement de consensus, estime le professeur Alson Roger du HFI ou Etskaoufan Renani Futni. Ce dernier continue de réclamer la refondation dans le pays. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné dans la mesure où je savais déjà que le président Tassouan Armapian allait gagner cette bataille. Et puis, il a gagné, bien sûr. Il a pu donc placer plusieurs membres de son ex-gouvernement et aussi de nouvelles têtes. Et les perdants, ce sont surtout le Tim et le Mapar. Je crois que le moment est venu de dresser un bilan en ce qui concerne donc la lutte menée par les députés sur la place du 13 mai. Et le moment aussi est venu pour nous les vrais politiciens de voir plus loin et d'aider les députés qui sont restés fidèles à leurs principaux objectifs. Ce politicien a indiqué que seule la mise en place d'un accord politique visant l'organisation d'un référendum constitutionnel et l'élaboration d'un nouveau code électoral est la solution à cette crise. Le fait de faire partie de ce gouvernement pour les soi-disant opposants n'est pas du tout bénéfique pour eux, dans la mesure où ils sont déjà perdants dès le départ. Et puis, cela va créer des problèmes en ce qui concerne le fait de travailler ensemble avec des personnalités que vous avez déjà donc spiées à la place du 13 mai et qui, en réalité, a gagné la bataille. Ainsi, le HFI viendra grossir le rang des manifestants sur la place du 13 mai. Ce mouvement compte actuellement plus de 150 associations et partis politiques.